À 60 ans, Sophie d'Avance semble avoir une doctrine de vie très simple. Vieillir vie, devenir vieille, non. S'ils s'affichent rarement ensemble, Sophie d'Avant et son compagnon William Lémergie ont fait exception à l'occasion d'inauguration du restaurant et bar 1920 de Norbert Tarrère à l'hôtel Prince de Galles à Paris. Le tout Paris semblait présent et Sophie et William n'ont pas décliné l'invitation. Veste en velours pour elle, veste de costume élégante pour son compagnon. Et si le couple a pris la pose sur la même photo, il n'était pas seul mais plutôt très bien accompagné. En effet, l'heure n'était pas au dîner en tête-à-tête romantique, mais bien une sortie en famille. Car à leur côté, on retrouve Valentine Sled, fille de Sophie d'Avant et Pierre Sled. Valentine qui semble très complice avec son « beau-père », entre guillemets, si on peut dire. Et on trouvait également Caroline Margeridon, mais également des invités prestigieux comme Kelly Vedovelli, Philippe Lachaud, Denitsa Ikonomova ou encore Nathalie Marquet et son fils Tom Pernoud.